Il est parfois difficile de s'occuper pendant le confinement, alors je vous propose aujourd'hui de jouer grâce à l'atelier des énigmes. L'entreprise est spécialisée dans les escape games à Annecy et elle nous offre en ce moment des énigmes à réaliser chez vous gratuitement sur leur site internet. Allez, c'est parti pour les énigmes de l'atelier numéro 2. Retrouvez le code caché par votre escape game. Un parent éloigné résidant sur la cité de Bardahal vous a laissé une lettre. Il aurait caché un secret quelque part dont vous connaissez également l'emplacement. Mais un gros cadenas à chiffres vous bloque le chemin. Sauverez-vous, retrouvez la combinaison grâce au message qu'il vous a laissé. Allez, c'est parti! Bon alors, le temps que je trouve la solution, je vous propose d'écouter la chargée de communication de l'atelier des énigmes. Le but, voilà, c'est de divertir, c'est toujours notre but principal, on va dire. Et donc, c'est de le faire à domicile et de pouvoir voilà, passer un moment, réfléchir un petit peu sur le principe de l'escape game. Voilà, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Mais la petite différence, c'est que voilà, vous pouvez les faire en famille, vous pouvez les faire tout seul, en appel visio avec vos proches. C'est pour un petit peu rythmer. On a créé différentes catégories d'énigmes. Alors justement, est-ce que vous pouvez me parler de ces différentes catégories? Oui, bien sûr. Alors, en fait, il y a deux catégories principales. Donc, ça va être une série détente. Voilà, une énigme pour prendre plaisir, des jeux de pistes, des choses comme ça, des histoires à lire, un petit peu plus scénarisées. Une deuxième catégorie qui s'appelle cellule grise. Donc là, c'est un petit peu plus sur la réflexion. Et certaines sont même un petit peu plus pour les enfants, avec des maths, un petit peu de français, de logique. Pour, bien sûr, on n'a pas la prétention de remplacer l'école, mais pour changer des exercices classiques. Donc, ça peut être sympa à faire en famille. Et pour ces deux catégories, on travaille en collaboration avec nos joueurs. Donc, toutes les propositions sont les bienvenues. Sur notre page Facebook, on échange avec les joueurs et puis vous pouvez proposer une énigme pour n'importe quelle catégorie et finaliser l'énigme avec nous pour la publier. Tout le monde peut jouer à ces énigmes? Tout le monde peut jouer à partir de 10 ans, voilà, si, que vous soyez un jeune tout seul devant votre ordinateur, même si vous mettez plus de temps. On a des joueurs avérés, on a des personnes plus âgées, des familles. C'est accessible à tous. Alors pour le moment, combien d'énigmes sont disponibles? Pour le moment, vous en avez 10. On en publie environ 3 par semaine, voilà, à peu près tous les 2 jours. Et pour l'instant, il y en a déjà 10 de disponibles et puis... Elle continue. On en a d'autres qui sont en cours de réflexion et puis on en a aussi des pistes avec des joueurs. Donc, au plus de joueurs nous feront des propositions, au plus on pourra publier et c'est ça qui est chouette aussi. Et voilà, bingo, j'ai trouvé. À vous de jouer maintenant. Rendez-vous bien évidemment sur le site internet de l'Atelier des Énigmes.